qu'il a demandé. Mais c'est pas si normalement. Sais pas les autres. Bonjour à vous tous. Rudar, welcome everyone. I will start this webinar in English because we are all from French, Flemish, English sides. So I think it's neutral and the theme has to be neutral. So welcome to this webinar on women in tech. First of all, I would like to share a bit more of Digital City. So we are the digital reference in Brussels, meaning that we gather all the key actors of the digital sector to help in the web transformation of Brussels. We have private-public partnership between Bruxelles Formation, VDAB, Validation des Compétences, Training and Skills Validation Partners, Actiris, the employment partner, and Digital City, which is on corporate partners. Key numbers, we are 25 experts delivering around 60 training per year. We have a wide range of targets going from job seekers, workers, companies, teachers, and students. We operate in different services and departments, from equipment, training, employment actions, and corporate watches. And this is supported by facilities, marketing, finance, and IT. We have more than 3,775 square meter surface at disposal with top-notch equipment. And different structures like an auditorium, creative rooms, facilities, classrooms. We are here today to discuss over women in tech, and we are very happy to welcome you. A little fact is that 25% of women graduate in ICT film studies in Belgium, ranking the country at the 13th position in Europe, and this is a low number. So how can we encourage women to study and follow up a career? What initiatives are made in Belgium or in Brussels, and what trends are shaping the future of women in technologies? We have different guest speakers today, and that will tackle the initiatives and actions made in Brussels. And we are very happy to welcome Bernard Clafay, the minister, Victoria Canina from Women in Tech, Karen Burs from Bcode, Catherine Plick from Good Stories, and Sana Aissawi, intern at Brussels Formation. I will leave the voice to the first speaker. So I will give the presentation to Bernard Clafay, Minister of Brussels Capital Region. Merci, bonjour. En fait, je ne sais pas si on souhaite que je parle en français. Monsieur Clafay, I think we lost Monsieur the Minister, so we'll wait for a bit so he can reconnect, and we'll wait for 1 or 2 minutes. So I hope he will be able to join us anytime soon. I will wait for this moment to go into some details and features about the platform. If on the right of your screen, in the side panel, you have two tabs, a chat tab and a question tab. The chat tab can be used to say hello or to leave a comment. And the second question tab is useful for asking your questions during the webinar. And I will ask you to use this tab for any question that we have. And if your question has already been asked, then you simply show your interest in this.
Welcome, Mr. Clairfailly. I was just explaining some details about the features of this, so it's good. I will give you the voice now. Merci, voilà, ça s'est coupé. Je ne sais pas si on s'attendait à ce que je parle en français, en néerlandais ou en anglais. J'avais prévu de parler en français, mais s'il faut... En français, c'est très bien. En français, c'est très bien, parfait, ben merci. Voilà, je suis ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de la transition numérique. Donc, je suis vraiment à la confluence de ce dont on va parler aujourd'hui. On sait que le numérique, le digital est partout. Il était déjà de plus en plus présent dans notre vie et dans notre vie de tous les jours. Il est de plus en plus en cours avec l'évolution de notre manière de travailler et de vivre depuis la crise sanitaire. Et on sait que ça va transformer énormément les secteurs économiques, la manière de travailler, les emplois. Le numérique est partout. Il y a un rapport de Agoria, la Fédération des entreprises technologiques, qui a été publié en 2017, qui montre que d'ici 2030, 650 000 travailleurs bruxellois sur les 800 000 qu'on a à Bruxelles vont devoir remettre leurs compétences à jour pour s'adapter à la digitalisation, à la numérisation du travail. Et cette tendance, elle s'est encore accélérée avec la crise, on l'a vu, on le voit partout. Le simple fait qu'on tienne ce webinaire maintenant montre qu'on a besoin, pour y participer, de maîtriser un peu l'informatique et que ça change, que ça bouleverse nos vies. Cette étude d'Agoria nous dit aussi que si la numérisation, la digitalisation va transformer des tonnes de métiers et toute notre activité économique, ça va faire disparaître des emplois, mais ça va créer des emplois, et qu'il y aura une création nette d'emplois. Donc on ne doit pas avoir peur de cette évolution, elle va au contraire contribuer de manière positive à créer des emplois dans la société. Mais curieusement, les femmes sont moins présentes dans ce secteur d'activité et dans tous les emplois que l'évolution digitale et numérique crée, transforme, bouleverse. Et donc c'est assez étonnant, c'est une perte de richesse fondamentale puisque les femmes sont la moitié de l'humanité, la moitié de celles qui se présentent sur le marché du travail et qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas embrasser ces carrières. Vous avez peut-être quelques chiffres qu'on citera après moi. Dans les cohortes d'étudiants dans l'ingénierie, la technologie, dans l'enseignement supérieur, on ne compte que 20% ou à peine de femmes. C'est assez étonnant. Dans toute une série de métiers du marché de l'emploi, par exemple les métiers de concepteurs de logiciels, les métiers ce métier-là, on compte que 90% d'hommes et 10% de femmes. Et pourtant, on sait qu'il y a une très forte demande dans ce secteur. View Brussels, qui est le service d'études du service d'emploi Actiris, identifie tous ces métiers comme étant en pénurie. Ça veut dire qu'il y a une forte attente des employeurs. Il y a une forte demande pour ces emplois d'ingénieurs logiciels, de développeurs web, de programmeurs, de consultantes en informatique. Et la liste est encore longue, donc il n'est pas normal que la moitié de la population, les femmes, ne puissent pas également embrasser ces carrières qui sont des emplois de qualité, souvent bien payés, qui offrent de belles positions dans les entreprises. Donc il faut absolument casser les stéréotypes actuels qui font une sorte de distinction de genre, qui font que beaucoup de femmes n'osent pas embrasser ces carrières et cette formation. Donc l'objectif, c'est bien de sensibiliser ce public particulier pour lui dire qu'il a autant de chances et autant de compétences. D'ailleurs, il n'y a aucune étude qui a jamais montré que les femmes ne sont pas capables de faire ces métiers, que du contraire, elles sont compétentes, créatives, elles savent embrasser ces carrières. Donc c'est bien ce que nous voulons faire ici. Vous savez, il y a un poète, un chanteur. Oh non, avant ça, je vous ai montré que le digital, le numérique est pour l'instant un métier très masculin, un peu trop masculin. Je pense que le digital et le numérique, ce sont des métiers d'avenir. C'est ce que nous montre l'étude d'Agoria et plein d'autres études mondiales. Et un poète disait que la femme est l'avenir de l'homme. Donc, il faut que la femme soit l'avenir du digital et du numérique. Et donc, voilà un peu le message que je voulais vous faire passer. Et après moi, il y a plein de femmes compétentes qui vont vous en parler beaucoup mieux que moi, ce qui est bien la preuve de ce que je veux démontrer ici et vous inviter à embrasser comme carrière. Voilà, bon webinaire. Et j'espère que vous convaincrez beaucoup de femmes de vous rejoindre dans cette belle dynamique. Merci, Monsieur Clairfailly. Je ne sais pas si on a eu des questions. A priori, non. Donc, je vais laisser. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et cette introduction à ce webinaire. Je laisse maintenant
la parole à Canila Victoria Canila, pardon, de Women in Tech. Merci beaucoup, merci Monsieur le Ministre, and thank you to Digital City for inviting me to this webinar. My name is Victoria Canila and I work at Women in Tech within Hub Brussels. Women in Tech is the platform of the Brussels Capital Region to support women in creating innovative startups and increase their presence in the tech sector. This initiative started with a clear observation, as the Minister has already said, the fourth industrial revolution, this of the digital era, cannot be achieved without half of the population, this of course being women. Technology and digital transformation affect all sectors and require companies to reconsider their product and service offer, but it also requires public authorities to reconsider their possibilities in order to allow citizens to adapt and prepare for these new professions. Women must be given the opportunity to participate equally in this industry and not only be end users of this technology, but also create it. Diverse teams and diverse technologies not only perform better, but also respond better to the real needs of people and society. However, as of today, we're still not there yet. Women are underrepresented in technology and innovative sectors. According to the latest EU Startup Monitor report, 83% of startup founders in Europe are men. In Brussels, more specifically, the creation of Women in Tech in 2017 resulted from a double observation. On the one hand, only 8% of innovative startups with high growth potential in Brussels were led by women. On the other hand, only 8% of students in computer science in Brussels universities were women and 17% in physics, while they represent nearly 80% in the paramedical studies. While history shows us that women have been involved in every technological development making humanity move forward, since Ada Lovelace, for example, who was the first ever computer programmer, to Margaret Hamilton, who was the director of the software engineering division at NASA that allowed the Apollo 11 to reach the moon, women face still today gender-based stereotypes and obstacles that push them away from the technological path. So Women in Tech. Women in Tech Brussels is an ecosystem bringing together almost all Brussels tech players, both public and private, around common objectives in order to create a real dynamic to carry out affirmative actions that will promote gender balance in tech. Today, we can rely on more than 20 partners within this ecosystem, ranging from coding schools as Vico that we have today, Ecole 19, Le Wagon, also tech hubs such as Bicentral or CoStation, also private companies like Google or Microsoft, projects to teach young girls and boys to code as Techies Labs and Code and Play, and of course other public institutions such as CRB and Innoviris. Women in Tech is there to coordinate this ecosystem, accompany our partners in their gender reflection, and give them visibility among the female public to increase the impact of their actions and thus gender diversity in the sector. So as mentioned previously, our objectives pursued by Women in Tech and our partners are first to stimulate the creation of startups by women and their growth, of course. We have seen the figures for startups created by women are not still high enough, and we are working with our partners to increase this figure. Secondly, to raise awareness regarding STEM studies among women and girls. This is a key objective for us. We do a lot of communication campaigns to show inspiring role models, to demystify technology, and to change the idea that tech equals geek with glasses. Third, promote the inclusion of women in the high-tech industry. For example, with Ecole 19 and Deloitte, we have created the She Loves to Code program to demystify coding and show young girls and women the reality of technological jobs
that women do in today's companies. One of our main actions that we do with our ecosystem is the Women Code Festival. It is the first female tech festival in Europe. We organize it together with our partners during the European Code Week, normally in October. Each year, we propose a different theme and co-create with our partners a very rich program, including coding trainings, inspiring conferences, film screening, expert panels, and a big etc. The festival takes place all over the city and it is free of charge in order to make it accessible for the largest number of people, mainly women, but of course also men are more than invited to join us. And just to give you an idea, last edition counted with more than 2,600 women and more than 500 children. So, this is one of the reasons why we have been recognized by the European Commission as best practice for raising awareness of computer coding among women and girls. What can we say today after almost 4 years of existence is that today Brussels is the pro-gender equality capital of Belgium with a rate of startup creation by women of 18%. So this is 10 points higher than in 2016 before the creation of Women in Tech. As I said, we were at 8% before the creation of Women in Tech Brussels. Thanks to the dynamism of this ecosystem, the figures have increased and we are now even exceeding the European average. We are still not there for gender balance in the tech sector. And the current crisis is endangering these good results, as we see that on the one side, women in general, not only in the tech sector, but also in this sector, have been impacted harder by the COVID crisis. And on the other hand, the digital transformation has been accelerated due to this crisis. So our social and economic relations have gone digital, and businesses which were prevented to operate normally due to the sanitary measures have had to rely increasingly on technological means to stay afloat. Today is therefore a crucial moment to do even more and at all levels to ensure women are not left behind in the post-crisis digital world. In this context, and just to end up, we were very honored to participate to the elaboration of the Women in Digital Federal Strategy. This strategy has been recently approved by the government, federal government, and we trust it will encourage a stronger public engagement to bring more women to the tech sector. Thank you very much. Thank you, Victoria. That was very interesting, and I hope people may have questions at the end. And I will now leave the presentation to Karen Beuze from Bcode, who has more a technological view on the matter. Welcome, Karen. Thank you very much. Indeed, let me try to share my screen first as well, so you can follow the presentation there. There we go. So yeah, indeed, Bcode is actually a coding school by design, and a coding school where we focus a lot on diversity. And of course, having more women in the ICT industry is one of the most important aspects of diversifying a bit the industry. And maybe actually using a bit the shortage that is around in the industry to force companies into looking at different kinds of people, not just women, but also people from completely different backgrounds than the ones they typically hire, which are actually for 90% to 95% high educated white men. So we're trying to convince the industry that thanks to this shortage, now is the time to consider looking at other types of people which are competent, which have good skills and a good drive and good motivation, but just didn't have the chance or didn't grab the chance to go through traditional higher education
in an ICT industry. And we started doing that about 4 years ago now. We just celebrated the fourth anniversary of our very first class in Brussels. We started a project in Brussels, although right now we are at national scale with also campuses in Ghent and Antwerp and in Charleroi and in the Liège. But the idea has really been from the start to build a bridge between all those that are available in the job market today, people that are motivated, have a lot of drive, a lot of interest, a lot of talents, but don't find a job immediately because they often have a low education or they are long-term unemployed, which makes it much more difficult to find a job, or because they have a migrant background and don't necessarily speak English or French or Dutch, sometimes a little bit of any of those, but not very fluent in those. People with an autism spectrum disorders, all sorts of people that are struggling to find a job today, but where there's many, many diamonds in the rough still available, and then to really bridge from that community to the many vacancies that are out there, as Minister Claire Fahy has described. There is indeed a huge opportunity, but also a huge threat. If we don't fill those vacancies, our companies will not remain competitive, and basically we would lose the global war for talent, and therefore a big part of our knowledge economy for which we've always been known so far. And so that would be a great pity from both a societal and an economical point of view. So bridging that gap is basically our mission, focusing mainly on those ICT industries and digital competencies. So really looking at what our society, both our economy, but also our society in general, needs today, but rather and also tomorrow, focusing on team dynamics and soft skills, not just on the technical skills, but also how do you apply those technical skills in a real life environment, in a collaborative workspace where we have to work together remote, where we have to work with documents in the cloud, where we don't work on pen and paper as much anymore, but we have to interact and really practice all those skills in a real life environment or as real life as possible. And really, as I said, focused on that diversity by design to make sure that we can provide opportunities to people that in most cases didn't have those opportunities through their natural course of life. And we've been doing that with different contents already. We have a junior developer program, which is the basic program where we can really start up from scratch, and where people learn to build websites and applications in the course of just 7 months. And it's amazing to see what comes out after this basic training. We also have a few more specialized trainings focusing on network and security aspects or on the basics of artificial intelligence. And also more recently, a training program supported by SAP for consultants that apply and implement those types of technologies with customers. And we've done so at scale. And just to give you an idea, in 4 years' time, we've been able to provide a 7-month full-time training to over 1,500 people, many of which in the Brussels region, because it was our first and it's still our biggest campus, of course. And so those are all people that were unemployed before, often struggling in that labor market, little perspective, and really didn't know where to go next, and where we could find the passion, the talent, the potential, and where we could put them through those training programs, thanks to the now already 50 employees in our project that are employed all over the 5 campuses in Belgium. So we've proven that this can actually work, that we can find many, many, many of those diamonds in the rough in between our unemployed community. It's just a matter of looking properly and looking mostly, and as the BCO DNA, as I said, to diversity and inclusion, to use this opportunity to touch, to reach, to support the most fragile audiences out there. And it may sound funny, but we consider women to be one of those fragilized audiences, as in this industry, indeed, they're so heavily underrepresented. It's a huge threshold for new women to enter this market or to even start an ICT or a STEM study. So we see that we really have to work hard to convince those women of their potential, of the fact that they are capable of doing so, and that there is a future for them in this industry. And that's why this is a very important focus group
for us, apart from and some other fragilized groups that I already discussed. And so the overwhelming majority of the people in our training programs come from one of those target groups. And so across the 1,500 people that started the training with us so far, 26% were already women, and we keep focusing a lot on growing that percentage. We absolutely desperately want to move to the 50% at least, and actually to balance it out, we should probably go to 75, but that's a long distance target for sure. But we see that having role models, having success stories really accelerates the accessibility of the program and the attractiveness of the program for other women. And that's something that we very heavily focus on, really using the stories and using the network of the women to try and reach other women that could benefit from the potential of this type of training and this type of career, which indeed allows for a lot of flexibility, often is perfectly combinable with work-life balance, with tending to the children, even when they have to homeschool in these days. And so we often see that there is a lot more tech savviness amongst these women, and especially, for example, women from a migrant background. We see that often they are capable of doing online banking. They're capable of, you know, supporting their kids in school through the smart school applications. They're quite competent in using all that. They just don't link that competency to a professional potential career. And we see that the self-esteem of the women is often the biggest obstacle to enter this type of training program or this type of career choice. And so, although by design all the B-Code classes are mixed and diverse, for women we've made one exception, and we've just piloted an experimental kind of pre-training, a short crash course of 6 weeks where we focus on women only. The Hackers Club, we call it. It's launched just a few weeks ago in Charleroi, and actually today selections are going on in Liège to put together a second class, and then we hope to bring the program also to Brussels very, very soon, to see if indeed by making a shorter program where the threshold of the barrier to entry is lower, where they can try and experiment for a few weeks instead of immediately signing up for like a professional training or really career oriented, whether that might help. And it seems like it does, because we see amazing candidates coming in to that pre-training already. And hopefully that will indeed convince them of their own potential, and then convince them to sign up for like the long-lasting training programs and really launch a new career out of that. And it's really by talking to other women that went through the journey that we see that we can convince them. And so, I think we cannot overestimate the importance of having role models, girls and women from all ages, from all backgrounds, from any type of community, any type of culture. We really need to get them to talk about their experiences in the industry. And there are many, many amazing women in tech already, but we just don't see them that much. We don't hear them that much. And that's why these types of webinars are so important for us, to really showcase all the beautiful women that are already active in the industry and that can be really a source of inspiration for other women to consider this type of choice. So we really try to contribute to that by giving all those ladies a voice and by showcasing them across our social media and our communication channels in order to inspire other women to make the same choice. And it's been successful so far, and not just for the women, but across all the different target groups. What we see is that actually the dropout rates are very low, and once they finish the training, 9 out of 10 succeeds in securing either an internship, and most of them, or even immediately a job after the training. So there are huge career perspectives for the ones that do make this type of choice and really go for it. And then when we see the conversion towards employment, and because B-Code is there not to train people, but to bring people to the labor market, that's our mission. We do see that 2 out of 3 today, even in COVID circumstances, do secure a job in the industry within 6 months of the training. And that percentage rises even a little bit more if you give them a bit more time to complete their skill sets, to continue their self-training and to keep looking for a job. Knowing the types of profiles that we focus on and that we target, we are quite happy with those types of results. And I think it can only help to convince women that once you start down this journey with the potential that you have already at the beginning,
there is a near certainty that that you can really build a career out of that, and that it's not going to be a waste of time and energy. I think that's a very strong argument indeed to convince women to take the jump and to invest into something that could really be a jumping board into a sustainable career. And that's what we try to do at BCode on a daily basis, and that's what I wanted to share with you today. So thank you. Thank you, Karen. That's a great initiative, and it's true that the technological part of the digital industry is quite underestimated. But with such actions, and I really value the Hackers Club, it's promising. So thank you for this. And we're going now to jump to a more feminine side of the digital world with Kathleen Plitt from Good Stories and a more marketing aspect of it. So welcome, Kathleen. Oui, merci. I give you the floor. Merci, bonjour à tous. Je vais partager mon écran ici. Voilà. Donc effectivement, l'idée, c'était de vous montrer aussi, de vous raconter un petit peu mon témoignage et mettre en évidence aussi que les métiers du web et de la technologie, ce n'est pas juste l'aspect technique, mais il peut aussi avoir des métiers parallèles qui sont tout aussi passionnants. Donc pour vous expliquer un petit peu mon témoignage et mon parcours, au moment de choisir mes études à l'université, pour remonter, c'est une petite anecdote, mais qui montre aussi parfois qu'on vient de loin. Ma maman m'a dit... mais tu peux choisir ce que tu veux, fais ce que tu veux, puisque de toute manière, le jour où tu te marieras, tu ne travailleras plus, puisque tu t'occuperas de tes enfants. Donc, j'ai rigolé. Heureusement, je suis un petit peu plus indépendante et les temps ont un petit peu changé. Donc, j'ai étudié et j'ai travaillé pendant plus de 15 ans comme journaliste en presse écrite, et où c'est aussi un métier où les femmes sont moins représentées que les hommes. On est de l'ordre de 35% à 65% d'hommes. Et où, effectivement, c'est parfois là plus difficile d'obtenir une place. Donc l'idée, la difficulté ici, c'était plutôt d'obtenir un travail de salarié qui est plus difficile dans un secteur qui est plutôt saturé. Et après une quinzaine d'années comme journaliste, ben, je me suis rendu compte aussi, vous le remarquez sans doute aussi, que la manière de consommer les médias change. On a de moins en moins le temps de lire un magazine papier, de s'abonner à des médias, etc. Et le digital a pris une part de plus en plus prenante. Et ce canal-là digital m'a vraiment passionnée dès le début, parce que en tant que journaliste, on pouvait s'adresser directement à la cible finale, au lecteur, et pareil, en tant que marque, on n'avait plus besoin forcément de passer par le canal médiatique pour s'adresser à ses prospects et ses clients. Et donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée, et depuis 2 ans, en fait, j'ai sauté le pas et j'ai pris le risque de me lancer en tant que freelance et de faire une réorientation de carrière dans tout ce qui est effectivement... marketing digital. Donc, pour vous situer un petit peu ce que c'est, ben là, voilà, on parle de développement, on parle de codage, de créer des sites, des applications, ce qui est vraiment super en soi. Mais une fois qu'on a un site et une application, si je prends un petit peu la métaphore suivante, c'est comme si vous avez une très, très belle maison à côté d'une autoroute, mais entre l'autoroute et votre maison, il y a une haie. Et donc, vous avez énormément de gens qui passent devant votre maison à une vitesse extrême et qui ne savent pas forcément que votre site ou votre application existe. Et donc, le marketing digital est là pour amener tous ces prospects, ces clients ou cette communauté qui peut être intéressée par votre service et par vos projets, les amener à se rendre compte que votre maison existe, qu'il y a une sortie d'autoroute un peu plus loin et que ça vaudra la peine de faire un petit détour pour vous voir. Et donc, le marketing digital, c'est ça. C'est vraiment travailler le funnel de conversion, puisqu'un client ne s'attrape pas à froid. Donc, faire en sorte qu'il connaisse votre marque, qu'il connaisse votre société, qu'il connaisse votre site web ou votre application, qu'il commence à se rendre compte qu'il y a des avantages, que votre service est différent des autres, que vous avez une manière d'appréhender votre clientèle ou vos produits, etc., de manière un petit peu différente. Et puis, il y a ce qu'on appelle la conversion. Là, c'est vraiment à partir du moment où la personne sait de quoi il en retourne, a analysé le marché, s'est rendu compte que vous étiez meilleur, différent,
particulier, que vous aviez développé un lien particulier avec lui, eh ben, il convertit et décide d'acheter, que ce soit sur un site d'e-shopping ou pourquoi pas de faire appel à vos services. Et donc, tout le marketing digital, c'est vraiment un travail de funnel de conversion. Ça englobe différents métiers qui sont assez larges. Il y a la stratégie digitale, donc c'est vraiment d'un point de vue global, faire en sorte, vous avez un restaurant, vous avez un site, ben, par quel canal, quel est le meilleur canal pour faire amener des prospects vers votre projet et qu'ils adhèrent à votre projet. Ça peut être, si vous faites vous adressez à des personnes en particulier qui sont plutôt sur LinkedIn, ça peut être un réseau comme ça. Si c'est des gens qui cherchent votre produit sur Google, ben, faire en sorte que vous apparaissiez dans les premiers résultats de Google, ça c'est tout ce qui est en lien avec le SEA et le SEO. Il y a évidemment les réseaux sociaux qui ont de plus en plus de place puisque c'est un canal direct entre une marque et sa communauté. Il y a aussi le copywriting, mais évidemment, c'est vers là aussi que je me suis tournée plus particulièrement en tant qu'ancienne journaliste. C'est tout ce qui est l'écriture d'un site web. Donc, on parle aussi de l'aspect du développement du site. Mais si un site n'est pas optimisé du point de vue de l'écriture, s'il ne donne pas envie de connaître davantage un produit, un service n'est pas correctement expliqué, s'il n'y a pas les boutons qui vous permettent de commander aux bons endroits, bien effectivement, on risque de perdre aussi pas mal de gens en cours de route. On estime qu'en termes de conversion, entre le moment où quelqu'un vient sur un site web et décide finalement de faire appel au service, de prendre de la documentation ou d'acheter, ben on parle de 1 à 2% de conversion. Donc l'idée, c'est vraiment déjà d'arriver à cette moyenne qui est déjà assez faible et effectivement de l'augmenter en donnant des discours qui génèrent la confiance, en expliquant de manière attractive votre projet, etc. Puis il y a tout ce qui est création de contenu. Donc quand on publie sur les réseaux sociaux, ben, il y a créer les textes, il y a créer les visuels, des vidéos, des animations, etc. Au sens large, tous ces contenus différents. Et puis il y a tout ce qui est marketing de performance, qui est aussi quelque chose d'assez technique et assez, technique c'est relatif, mais en tout cas assez passionnant, c'est profiter de ces réseaux sociaux ou de ce canal qu'est Google pour faire de la publicité et pouvoir, grâce à la force de la technologie, faire en sorte que votre message publicitaire soit vu par les bonnes personnes, soit vu par un coiffeur féminin qui habite à Liège et qui a entre 30 et 40 ans, soit vu par une maman avec des enfants de moins de 2 ans qui s'intéresse à la propreté de son enfant, etc. Et donc là aussi, il y a à faire en sorte que le message soit correctement rédigé et soit vu par les bonnes personnes grâce à des publicités sur Facebook, des publicités sur LinkedIn, des publicités sur des mots-clés sur Google, etc. Pareil aussi, on a parlé de la rédaction d'un site web, c'est faire en sorte aussi que votre site apparaisse dans les premiers résultats de Google, parce que s'il est en page 10 de Google, il y a peu de chances qu'on le voit très facilement. En travaillant les métadescriptions, en travaillant la manière de nommer les photos, en travaillant la recherche de mots-clés qui sont vraiment recherchés sur Google et qui apparaissent de manière claire sur votre site, etc. Et donc, tout ce digital, ce marketing digital au sens large, c'est aussi un secteur qui est vraiment en pleine expansion. Pour tout vous dire, je suis lancée là depuis même pas un an et maintenant je suis, en tout cas pour le moment, j'espère que ce sera toujours comme ça ou en tout cas ça continuera comme ça, mais au stade où je dois commencer à refuser mes premiers clients ou à leur dire dans quelques semaines, je pourrais travailler avec vous à partir du mois de mai ou à partir du mois de juin, tellement en fait les gens se rendent compte à quel point le digital est important. Il ne suffit pas juste d'avoir son propre site et sa propre application pour que le job soit fait et vendre directement. Alors, en termes d'apprentissage, il y a pas mal aussi des universités, des choses comme ça qui proposent des formations. Mais j'avais envie aussi de vous donner quelques conseils de par mes propres recherches. Donc, il y a Skills Factory, qui est une formation intensive en 10 semaines qui s'adresse aux demandeurs d'emploi, mais pas seulement. Ça peut être aussi des personnes qui sont en pause carrière, etc. Et c'est assez intensif pendant 10 semaines. Je ne l'ai pas fait, malheureusement. J'ai fait un certificat en marketing digital à l'ICHEC. Mais cette formation-là, en tout cas, me paraît très, très pertinente et assez concrète pour apprendre et appréhender les différents métiers du digital. Il y a TechnoFuturity qui offre aussi pas mal de formations assez concrètes, des petits modules parfois d'une demi-journée ou de quelques heures, etc. Alors, pour ceux qui ont envie de se former et se développer davantage, il y a aussi HubSpot qui est un service plutôt, au départ, un logiciel
de sales et de marketing digital, mais qui propose aussi une académie. Donc, si vous tapez HubSpot Academy, il y a pas mal de cours aussi qui sont donnés gratuitement et qui sont vraiment très, très pertinents et très forts. Il y a effectivement la certification Google qui est importante après pour pouvoir générer et travailler dans le SEO et le SEO. Le blueprint de Facebook qui vous apprend aussi à faire des bonnes publicités. Tout ça, c'est assez gratuit. Puis, il y a des tonnes et des tonnes de podcasts à la fois sur l'entrepreneuriat au féminin, mais aussi sur le marketing digital qui peuvent aussi donner pas mal de conseils. Et puis, il y a Clubhouse qui est le dernier réseau social, en tout cas à faire parler de lui ces derniers mois, qui est un réseau social basé sur la voix, où vous pouvez vous retrouver dans des pièces, interagir sur l'entrepreneuriat, interagir sur les métiers du tech ou les métiers du digital. C'est vraiment chaque fois de l'ordre comme on fait ici un webinaire, mais là, c'est uniquement par la voix. Pour moi, la difficulté, c'est pas tellement d'être une femme, j'y reviendrai en clôture de témoignage, mais c'est plutôt l'attrait, et c'est quelque chose aussi de très chouette, mais qui est aussi parfois challengeant dans le digital, c'est que c'est un métier en constante évolution, il y a tout le temps des nouveautés, etc. Et la grande difficulté, c'est de devoir et de pouvoir se tenir à jour dans les techniques et les nouveautés. Mais j'imagine que c'est la même chose aussi pour le codage. Et puis, je voulais mettre ici en fin de slide aussi un point qui a été important pour moi, c'est-à-dire que je suis une femme et on l'a dit aussi, les femmes ont une prise de risque qui est relativement plus limitée qu'un homme. Et donc, il existe aussi des lieux comme la couveuse d'entreprise Job Yourself à Bruxelles qui vous permettent aussi de vous lancer sans risque en étant coaché, en étant sûr que vous avez un bon business plan, que vous avez bien appréhendé votre projet quel qu'il soit. Et donc ça aussi, c'est assez rassurant, et en tant qu'entrepreneur aussi, de sauter le pas, de quitter son grand job de salarié, sa voiture de société, tous ses avantages extra-légaux, pour pouvoir se lancer comme indépendant sans risque. Alors, un dernier point aussi sur le fait d'être femme. Chez moi, ça n'a jamais vraiment, comme je le disais, été quelque chose de fort, important ou inné. C'est vrai que, par contre, je me suis dit, quand j'étais salariée, à un moment donné, j'ai dû déménager de bureau, et sur l'endroit où je me trouvais, il y avait un petit autocollant qui m'est resté en mémoire et qui m'a peut-être aussi donné envie un jour de devenir mon propre patron. Il y avait un autocollant avec une horloge où il était indiqué 15h15 et il était noté « Il est 15h15, maintenant les femmes travaillent gratuitement ». Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi où je n'ai pas forcément été sensibilisée à ça quand j'étais jeune, quand j'ai dû négocier mon premier salaire, d'ailleurs que j'ai très 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 mal négocié. J'étais persuadée qu'un salaire ne se négociait pas tellement que ça tenait compte de ses compétences, de son ancienneté, etc. J'étais très très naïve. Et puis quand je me suis rendue compte aussi que mes collègues masculins gagnait parfois beaucoup plus d'argent que moi, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Et donc, pour ça aussi, ici, je suis ravie vraiment d'être indépendante et d'être freelance, parce que c'est moi qui fixe mes propres tarifs, je ne dépends de personne d'autre. Et donc, si je regarde un petit peu, mais pour le moment, là, je travaille pour une dizaine de clients, j'ai autant des hommes que des femmes, donc je ne dois pas dire que je cherche naturellement à rester dans un environnement pro-féminin, parce que je pense qu'on a tout à apprendre de relations autant avec des hommes que des femmes. Par contre, c'est vrai que au moment de choisir mon logo de mon entreprise, j'ai fait attention aussi à ce que ce soit quelque chose de plus masculin, ou en tout cas de unisexe, pour ne pas biaiser les personnes qui pourraient être plus sceptiques de travailler avec une femme, et de montrer aussi un caractère pro et d'avoir une distance aussi. Mon genre n'a jamais eu d'influence sur mon travail. Par contre, je suis freelance et je travaille seule, et c'est ce qui me plaît aussi, me permet d'avancer très, très vite. Mais je pense que c'est très important aussi quand on se lance comme entrepreneur ou quand on se réoriente dans sa vie, c'est de pouvoir miser sur un réseau de proches et de pairs. Et donc, c'est ce que moi j'appelle tout ce qui est, enfin, c'est pas moi qui ai inventé ce nom, c'est un nom très très connu qui s'appelle la sororité. Et donc, ici, je travaille, je peux pas prétendre savoir faire tous les métiers du marketing digital. Et donc, je me suis entourée de personnes avec qui je travaille en partenariat sur certains projets. Et donc, effectivement, j'ai une codeuse qui met en avant aussi le côté qui, le fait qu'elle est féminin et que le code, c'est pas juste quelque chose de nerd et de masculin. J'ai quelqu'un qui travaille les publicités sur Facebook, etc. Et je me suis rendu compte que naturellement, c'était plutôt aussi avec des femmes que je m'entourais, même si dans les 5 partenaires privilégiés que j'ai, il y a quand même un homme, donc je ne les exclue pas. Et puis après, il y a aussi quelque chose que je trouve assez intéressant et
qui se développe en tout cas de plus en plus, en tout cas dans une nouvelle génération, une nouvelle manière de communiquer, c'est les réseaux de networking. Et là aussi, j'en ai noté là deux, Hors Normes et Women Bruxelles, qui donnent une image aussi beaucoup plus jeune, rajeunie de la femme, avec laquelle on peut interagir, réseauter. Et je trouve ça aussi très, très fort quand on se lance... En tout cas, en tant que freelance, l'aspect networking est très, très important. Et puis, je ne l'ai pas noté aussi ici, mais ça va de soi, même si on en a un petit peu parlé précédemment, mais l'importance de pouvoir s'appuyer sur ses proches, et en l'occurrence sur mes enfants et mon mari, est quelque chose de très, très important aussi quand on se lance comme indépendant et comme freelance. J'ai toujours pris le parti aussi parce qu'en fait, le féminisme est quelque chose de... naturel chez moi. Je trouve que je n'ai pas dans mes gènes une capacité à changer mieux mes enfants ou à mieux les nourrir ou pouvoir terminer mon travail plutôt que mon mari pour aller le chercher à l'école. Et donc, c'est quelque chose qui a été non négociable chez moi dès le départ et j'ai bien choisi pour ça mon mari. C'est que tout se fait à 50-50 et ça nous permet aussi, et lui et moi, de pouvoir se développer dans notre carrière et de lancer une activité qui est vrai, assez prenant, en tout cas au début, quand on se lance. Et donc, je pense que c'est aussi, si les femmes peuvent se développer aussi, c'est grâce à l'aide des hommes et en tout cas de leurs proches. Et puis, un dernier conseil pour vous lancer, c'est vraiment de rêver grand, de ne pas avoir peur, même si les risques peuvent être mesurés. Mais à partir du moment où on croit, on se fait en ce à quoi on a envie d'aller, qu'on se met des objectifs clairs, qu'on se forme et qu'on est bon dans ce qu'on fait, il n'y a aucune raison. Effectivement, comme on le disait, le marché est relativement ouvert et recherche des profils comme le nôtre. Et donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Du travail, il y en a et il y en aura encore pour les personnes qui sont bons et performants. Voilà, merci à vous. Thank you, Catherine. I think it's a very good claim, dream big. That's also a good one to continue. I've seen there's... two questions pending. We are going to tackle them at the end of the webinar. So just give us a few moments. I will give now the floor to Sana Aissawi, an intern at Bruxelles Formation. So I think it's a good way to end it, to end this webinar, to have a concrete example. And I will leave Sana to her presentation. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc je vais lancer. Voilà. Donc, comme disait Noémie, donc c'est Sana Aissawi. Je suis à la base, en fait, historienne de formation et depuis toujours passionnée par l'informatique et actuellement, j'ai enfin décidé de me lancer dans le milieu. Et donc, actuellement, je suis une formation d'administratrice réseau chez Bruxelles Formation. Et donc, comme je disais, j'ai un cursus plutôt académique à la base et donc un intérêt pour les branches plutôt littéraires. Et donc, ça conforte d'être un peu le cliché que voilà, les femmes sont plutôt littéraires. Et donc, c'était pas vraiment facile peut-être de sortir de ça, justement, de se moule un peu toujours. Probablement préconçu, on est conditionné à évoluer finalement dans tous ces conditionnements. Donc voilà, mais j'avais quand même un goût très prononcé pour l'informatique, j'étais assez curieuse à ce niveau-là. Mais je ne l'ai jamais vraiment envisagé parce que probablement déjà que je doutais de mes compétences. Probablement, c'est quelque chose qu'on a peut-être de façon innée en tant que femme. Ça, c'est une question encore, c'est autre chose, mais voilà, c'est aussi des questionnements intéressants. Mais grâce en fait à mes expériences professionnelles qui ne touchaient pourtant pas l'histoire en fait, j'ai pu toucher en fait au monde du web. J'ai fait une certification en web development, mais qui n'a pas amené en fait une expérience professionnelle plus poussée. Mais donc voilà, je commençais déjà à faire quelques pas dans le domaine de l'informatique. Et finalement en fait, j'ai décidé de franchir le pas et de faire vraiment une grosse réorientation professionnelle et de me dire maintenant ça suffit, je me lance. Et donc, puisque j'étais passionnée par l'informatique, c'était une évidence d'aller vers ce domaine-là, mais ensuite de choisir vraiment quel aspect technique, etc., c'était plus compliqué, mais c'est venu assez naturellement. Et puis, il y a de toute façon une envie aussi de contribuer dans ce monde de la technologie, l'industrie informatique en général, de contribuer finalement à mettre en place une éthique de la technologie aussi, de pas le progrès pour le progrès, mais plutôt le progrès au service de l'humanité aussi. Donc, il y a un peu tout ça qui se met en place aussi dans ma tête à côté de ma petite passion. Et il y a un chiffre important pour le moment pour moi, c'est 6, tout simplement, parce que c'est le nombre de moi en fait, qui me sépare de ma nouvelle vie, c'est-à-dire
la durée de ma formation, donc c'est 6 mois, et c'est à l'issue de ces 6 mois en fait que je deviendrai normalement une administratrice réseau, je l'espère. Et alors, j'espère évidemment ultra compétente, hein, évidemment, on se met beaucoup de pression, mais je pense qu'encore une fois, le fait d'être femme fait peut-être qu'on a besoin de faire d'autant plus ses preuves. C'est aussi une réalité, je pense, malheureusement, mais c'est aussi un moteur. Donc, j'essaie d'utiliser ça de cette façon-là aussi personnellement. Et cette formation, pour en parler un peu plus en détail, donc elle se déroule chez Bruxelles Formation et ça mène à une certification qu'on appelle la CCNA. Et en gros, le métier d'administrateur, administratrice réseau, c'est notamment, en fait, finalement, c'est un peu créer une forêt numérique. Et donc, c'est créer, en fait, un réseau informatique, notamment dans les entreprises. Mais il y a tellement de... Vous avez un réseau à la maison, on a un réseau partout, en fait. Hein, les réseaux sont partout. Et donc, c'est connecter différentes machines et équipements pour former un réseau. Et cette formation, en fait, elle ouvre vraiment un horizon immense, en fait, en informatique, je trouve. Et elle donne vraiment une culture informatique très variée et, si pas complète, évidemment, très, très, très large, en tout cas. Et ce qui est bien, c'est que quand on est curieux, c'est d'autant plus satisfaisant. Mais la curiosité est aussi quelque chose à cultiver dans cette formation et dans le monde de l'informatique en général. Ça pousse à avoir vraiment envie de progresser, mais ça permet aussi d'être... d'autant plus polyvalent et touche à tout, en fait. Donc, tout ça est lié. Et il faut évidemment développer, et on les développe d'ailleurs notamment dans cette formation typiquement, mais je pense que c'est dans le domaine informatique en général, le travail d'équipe et l'autonomie. C'est deux choses qui vont de pair, mais il y a beaucoup de métiers, d'ailleurs, où c'est souvent le cas. Mais ici, a fortiori, je pense que c'est très important. Et le travail d'équipe, typiquement, parce qu'on a plusieurs couteaux suisses, en fait. Hein, on n'est pas que admin réseau, on doit aussi avoir quelques autres compétences en informatique aussi, donc de toute façon, mais on n'en a pas assez non plus, donc on a compté sur les autres, et voilà. Mais en même temps, on doit pouvoir faire son travail, et faire sa part de travail en tout cas, donc être autonome, et du coup être débrouillard, rigoureux et méthodique, ça c'est la base, ça de toute façon. Donc voilà, mais donc pour revenir un peu plutôt au cœur du sujet, c'est la question de la carrière dans l'informatique, bah déjà de manière générale, qu'on soit homme ou femme, déjà, je pense qu'il y a quand même un tronc commun, on va dire, de conseils. C'est de toujours vraiment persévérer, de ne pas lâcher, de ne pas douter de soi, vraiment. Parce que bon, le doute, il est au quotidien, mais il faut persévérer. Et pour ça, il faut aussi travailler dur. Ça ne va pas venir tout seul, de toute façon. Donc ça, il faut se dire que l'informatique, ce n'est pas juste taper des lignes de commande ou taper... Enfin, je sais, voilà, il faut dépasser tout ça, il faut traverser du travail derrière et être réellement passionné. Sinon, non seulement on s'ennuie, mais ça permet réellement de rester motivé. Donc, la passion, c'est vraiment un mot-clé. Et clairement, se donner les moyens de réussir ou d'au moins, en fait, essayer tout simplement. Et c'est ce que je me suis d'ailleurs permis enfin de faire, en fait, aussi. Donc, c'est vraiment mon vécu à moi, c'est de me dire il faut se donner des chances et arrêter de douter de soi et de ses compétences éventuelles ou pas, en fait. Donc, voilà, c'est se donner une chance. Mais se lancer en tant que femme, c'est aussi ne pas se laisser intimider, ça, c'est certain, et oser s'affirmer dans un milieu à forte prédominance masculine, parce que je suis la seule femme dans mon groupe de formation. Ils sont 10 mâles qui m'entourent. Donc, c'est assez intimidant. Ça, c'est clairement le mot au départ. Les premiers jours, ça a été très perturbant. Mais en fait, bon, évidemment, ça se passe super bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on oublie, en fait, la question du genre, elle disparaît. C'est-à-dire que je suis un peu comme l'éléphant au milieu de la pièce, étant la seule femme. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit plus parce qu'on est tous là pour les mêmes raisons et pour la même passion, justement, de l'informatique. Et voilà, on peut dépasser ça, mais il faut aussi savoir prendre sa place. Je pense que c'est très important. Mais que si ça se passe éventuellement mal, en revanche, là, il faut réellement pointer du doigt ce qui ne va pas, potentiellement en tout cas, et faire ce qu'il faut vraiment pour résoudre la situation, en tout cas. Ne jamais laisser, en fait, les choses... telle qu'elle, en fait, et subir, ça, c'est plus possible, en fait. Et donc, du coup, il faut absolument réagir. J'ai pas eu à vivre cette situation, ça, j'en suis très heureuse, mais je pense que toutes les femmes n'auront pas nécessairement la même expérience que moi, dans le même cas de figure. Donc, voilà, je me dis, il faut certainement plus associer une des grandes mesures à prendre en tant que femme, c'est de ne plus se taire, tout simplement, en fait. Ça s'applique à tous les milieux, en fait. C'est pas que dans l'informatique, mais clairement, ici aussi, c'est pareil. Et je pense que ce qui est vraiment, vraiment, vraiment indispensable, c'est ce travail d'évolution des mentalités, en fait. Et bon, voilà, je reste historienne de cœur, donc j'ai tendance à faire, voilà, à penser au passé, parce que, voilà, rien que le cursus académique, d'avoir été à l'université, c'est déjà une victoire pour l'époque, déjà, voilà. Mais alors, en plus, maintenant, c'est d'entrer dans le monde de l'informatique, c'est un nouveau combat en tant que femme, en quelque sorte.
de constater qu'en fait, ce n'est pas une évidence que les femmes soient partout et représentées dans tous les corps de métier. Non, pas encore, en fait. Donc, c'est assez perturbant à chaque fois de se confronter à notre absence, en fait. Mais dans le passé, je me dis, voilà, on a beaucoup à apprendre. Donc, on ne doit pas en faire table rase du passé. Au contraire, on doit vraiment s'en nourrir et en apprendre beaucoup pour faire évoluer les mentalités et tout simplement, en fait, enfin, rendre en fait les choses non évidentes, évidentes aussi, en fait. Bah oui, nous sommes là, les femmes, et je pense que j'aimerais que beaucoup plus de femmes me rejoignent maintenant. Je veux ne plus être seule dans mon cours, mais et en même temps, voilà, ça change rien, mais voilà, j'ai réellement envie de dire aux femmes, rejoignez-moi, en fait, n'ayez pas peur, foncez. Bah, dream big, encore une fois aussi, c'est exactement ça, Catherine. Et réellement, je conseille vraiment à toutes les femmes qui ont un goût réel pour l'informatique et qui envisagent une carrière là-dedans, ne vous posez plus trop de questions, en fait. Faites-le, essayez. Donc voilà. Merci, voilà. Sana. Thank you, Sana. That's a good example, a concrete example. Well, thank you, everyone. I will go through some questions. So I have Mamita Banda. I will start live answer. I don't know if you see the question live, but how do you translate that social reality to your strategies? So it's more maybe for Victoria, Karen, or Catherine. If you have any example or strategy, I think Karen, you did a good example with the Hackers Club. So I don't know if anyone has more ideas. Yes, so indeed, I think it is very important to show more role models, as Karen was saying, and it's something that we really do at Women in Tech as well. And to take into account, indeed, what is the reality that leave these women? Why are those stereotypes existing still today? And to change these ideas, to encourage more women in these sectors, I think it is also as Sana was saying, we have this idea that coding is super difficult and that it is so far away of our reality and that it is really complex math, so it is only for men. First of all, math is also for women. But secondly, when we think of coding, it's a language, in fact. So a lot of women are very capable and are very interested in linguistic studies and history or these kind of studies, which really shows that women can excel also in coding studies and in these sectors. So we have to change the way we see. So for me, it is really, as they are saying, give it a chance, ask around you, how is the real job of women working and men working in the tech sector? What do you really do on your day to day? What do you have to learn or what do you have to do to be there? And use the tech take the areas of interest that you have. For example, there I was saying that we have more than 70% of women in the medical studies and in the health industry. And in fact, today the e-health sector is super strongly developing. So we need to take all these competencies of women and these interests and bring them to the tech sector as well, because there is a lot of potential and of possibilities in this sector, and women must be part of this change and of this sector. Thank you, Victoria. I can see there's it's not a question, but a reflection from Sylvie Constant, who worked in ICT network management from 28 years. And she was alone at the beginning, and now she's the only one and 30 man. And yeah, she's saying, it's not easy, trust me. I can't believe you. But I think it's also good that you're there, Sylvie. So I will stop this question and start another one. So
In addition to promoting female role models in tech, couldn't we make user experience more woman-centric? My feeling is that the digital experience in general is fought and implemented by and for men. One way to attract women, aiming for more inclusive UX. Maybe Catherine, you may have an idea for this. In terms of content and web content, do you believe that there's a strategy that is more focused on men or is more gender-centric? Non, effectivement, je pense que le commentaire est tout à fait à propos et tout à fait correct à un moment aussi où le secteur ICT est davantage l'apanage d'hommes que de femmes. Il y a sûrement un biais aussi dans le copywriting et dans le customer journey et tout ce qui est UX sur les sites. Et donc, à partir du moment où c'est pris en amont et ce biais est mis en avant, il peut être travaillé avec des personas, etc. Donc, déterminer que la cible sur les sites est autant les hommes et plus particulièrement les femmes et vérifier effectivement que dans le customer journey, ce persona-là spécifique soit pris en compte. Et effectivement, c'est une bonne remarque, ça peut être gardé à l'esprit, en tout cas, quand des sites en lien avec l'ICT et le codage doivent être créés, effectivement, c'est quelque chose d'important et d'intéressant. Donc, bonne remarque, je prends. Thank you. And Karen, do you have any thoughts about this? I think the answer was pretty conclusive already. Not much that I can add to it. Thank you. I will go. Add something. Yes. Sorry. No, you can add it. It's fine. Yes, thank you. So the subject, it's always so we have so many things to say. But so for me, I already said it during the presentation, but we've already seen that diverse teams bring a better result, so perform better. If you want your product or your service to answer to the full population, to everyone, you must include diverse teams. These including women, but not only, also other people like migrants or other people from sectors that are minorities. It is very important to have a good result. So that on one side. And then on the other side, if you don't include women, it's very difficult to have a result that where they will feel represented. True. Just this small. Thank you. I will have. We are running out of time, but I will just start one more question. It's more HR related. So how can we discourage HR officers from paying women less? Because of, among many reasons, the perceived risk of hiring a possibly less competent employee is higher in women applicants. It's quite a general question. I'm not sure if someone has an answer for this. You can go ahead, Victoria. I can go ahead again, but just very briefly, because there's something. So I'm Spanish, as you might have noticed from my accent. And in fact, there's something that has just been approved by the Spanish government, which is a tool for equal pay, to analyze the equal pay in companies. So it is a public tool. So that any company can use to analyze the pay gap between their employees. So something like that could definitely help, I believe, to reduce this pay gap and to, of course, encourage a better relation in the companies. Yeah, I think in Nordic countries they already have this kind of tools that measures salaries are transparent, like in Sweden, so you can already have the gap. But thank you for sharing this. Any other thoughts? No? Well, thank you everyone. I will leave the questions. I think we answered
and we are a bit out of time. So I will thank everyone, mostly our guest speakers, and how you presented this webinar and give all your insights and the different actions that you can take to promote women in the IT sector. And thank you for those that joined us today. We have videos on the subject, Women in Tech, with Laure Lemaine from Interface 3, Interface 3, Julie Foulon, Girl Lake, and Cécile Jabonon from Microsoft MIT. So we welcome you to go on our YouTube channel and watch them, and there will be a replay of this webinar. And we thank you, everyone. Have a lovely day. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Thank you, everyone. Merci.